croyais qu'il m'a vu? Coucou, 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 coucou. Hé hé, je t'ai eu. Ça va par cœur. Ça deviendrait pas l'idée d'essayer de les fumer, fils de pute. Bonjour à toutes, les mecs, on se retrouve pour la suite de ce superbe jeu qui est Révélation. On vous avait manqué. Alors attends, on va éviter monsieur le sniper. Il a réussi à avoir par cœur ce con. Voilà. Et précédemment, on avait pas mal amélioré nos armes, et là on est en train de fouiller le navire, faut aller à la salle de transmission. Sauf qu'on a décidé de faire un petit détour. Voilà. Ouais. Ouais, il est peut-être temps, hein, monsieur. Ok, là on fait un petit détour hein, pour changer, donc on passe par cet endroit là qu'on repassera plus tard, mais là au moins c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a? Et c'est vrai, on avait débloqué un M40A1, voilà, en même temps que du Windam et le M92F, donc ça c'est un Beretta. Une arme classique, performance équilibrée, une arme qui tire des missions à plomb. Transperce les cibles et augmente les chances de dégâts critiques, peut tirer à longue distance. Ouais, c'est trop cool. Et donc là, on entend quelqu'un parler. Ce qui n'est pas pour nous rassurer. Donc moi, je vais aller fouiller un peu. Voilà. Ah, des nouvelles pièces personnalisées. Alors, il n'y a rien autour, c'est bon. Ah, si, il y a quelque chose ici. On fouille, on fouille. Étui cartouche fusil à pompe, ça veut dire qu'on va pouvoir transporter plus de munitions de fusil à pompe. On peut pas ouvrir ici. Ah. Non, visiblement, on peut pas. Ya, ya. Fermé de l'autre côté, il y a une bouée dessus. On va vraiment mettre la petite bouée coin-coin, tu sais. On la serre dans le truc, ça n'a aucun sens. Bon, par contre, j'aime pas le petit truc là qui est en train de parler. Par contre, c'est là où il faut aller, je sais pas, parce que je suis pas allé au truc sans... Ah, si ça se trouve, il faut une clé pour l'ouvrir. Sauf que j'ai esquivé ce petit passage. Ça me plaît pas, ça. Ouais, mayday, mayday, hein. Je vais essayer de venir vous aider. La munition de fusil, donc attends, on a le compte. On a aussi ça, ouais. Je me dis qu'on va devoir utiliser notre petit truc là. Ouais. Maintenant on se casse. Par contre, j'avais pas souvenir que Parker il était avec moi à ce moment là du jeu. Alors à moins que c'est vraiment un truc qu'on pouvait faire que plus tard, mais où Parker il nous attendait et tout. Ah, si ça se trouve c'est ça. Ce serait rigolo. Ouais, parce que j'avais pas souvenir que Parker il était là. Maintenant. Alors faut éviter l'autre monsieur tronçonneuse parce que de souvenir il fait mal, bien mal. Hein. Bonjour. Je m'en fous, je cours. Notre but c'est donc d'avoir monsieur tronçonneuse et donc on va aller prendre le fusil à pompe parce que le fusil à pompe va être pas mal utile. Et on va essayer d'éviter les autres cons. Ah, on peut quand même passer un peu par-dessus. Hé, hey, PD! PD! Hé, hey. PAM! Alors, on dit quoi, là? Oh, putain! Bah, moi, je passe de l'autre côté. Salut! Salut, les petits loups! Ah, je me rappelle, je crois que j'étais mort dans ma première partie face à ce passage-là. Oui, oui, carrément. Il y a une bouée, ouais ouais, la petite bouée coin coin. Bonjour. Dégagez s'il vous plaît. Ah, tiens, attendez deux secondes, j'ai un petit trophée alors. Vainque 150 ennemis, j'ai obtenu le bonus Trinité, commando, scanner un ennemi. Bon, ça c'était en mode commando. Scanner un ennemi, ça c'était en mode campagne que j'avais testé. On a vaincu 150 ennemis. Ouais, on va le partager. Ouais, j'aime bien partager. C'est cool, les gens pour voir un peu ce que j'ai fait. Bon, non, on va peut-être pas recommencer non plus. Allez, vas-y. Eh bah, putain.
putain, non, ta mère, la pute, ta mère. Hé hé, magic soin, magic system. Ça va, Parker? Tranquille? Bon, là, on arrive à réaliser. En tout cas, Parker, il bouge pas trop de son endroit, il est tranquille. Viens, Parker! Petite surprise. Et tu vas voir, là, ça va être rigolo. Allez, meurs. Bon, putain, toujours pas, en fait. Ah, il y a moyen de sauter, quand même. Allez, on se barre. Tutu. Ouais. Salut. Allez, il y a moyen de choper des trucs. Il y a moyen de lire. Bon, ben, on va lire. Journal de l'officier de transmission, ça doit être le mec qu'on est en train d'affronter en version super pété. J'ai bien fait de monter sur la promenade, ouais connard. J'ai assez à manger à boire pour le moment, j'entends encore ces choses là dehors, elles griffent la porte à la recherche d'une proie, mais elles n'entreront pas. L'inertie, il y a d'autres survivants, moi je pense que je vais m'en sortir. Mais un jour de merde, c'est ça, au plus on va essayer de rentrer dans le cordier, mais je vais leur faire le pot avant qu'elles fassent quoi que ce soit. Je me suis entraîné dur au cas où ça arrive, je suis fier de moi, heureusement que j'ai été réveillé quand ça arrive à partir de maintenant, je dormirai plus profondément. Donc c'est un mec qui a réussi à survivre à la première assaut, visiblement. C'est monstre. Je n'ai pas fermé la nuit après la petite fête surprise d'hier. J'ai énervé si seulement il y avait d'autres survivants. Ok, c'est le dernier survivant, lui. Fatigué aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. J'espère ne pas être malade. N'aurait pas dû bouger. Dois garder des forces. Reste là. Ok, ça par contre, ça... J'aime bien comment le mec est en un même jour... Le mec, il change son écriture, ça veut dire il finit par parler, enfin par écrire comme le gardien dans le premier jeu. Mais en un seul jour, parce qu'au début il commençait tranquille, normal, la phrase, jour 4, enfin je crois, j'ai de la fièvre. J'espère que les monstres ne vont pas me trouver, je ne comprends plus, est-ce que je suis infecté ou est-ce que c'est juste un rhume. Il y a une bosse sur la tête, ça fait mal, j'aimerais avoir quelqu'un qui parlait, je suis si seul, ça fait combien de jours, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait, je suis content. Il était drôle. Il est très drôle, hein. Il connaît de bonnes histoires, plein. Ok, amis imaginaires. Elles sont très drôles, je ris. Oui, son visage est trop proche. Il pense pareil, on peut plus bouger. Ah ouais, parce que c'est vrai que là, il a l'air d'avoir un autre visage, c'est chelou. On s'est disputé, il voulait tout manger, il mangeait de la viande. J'ai vu sa tête, il mâchait, mangeait, pas de viande pour moi. Il avait l'air bon, sa tête a l'air bonne. Au secours, pas plus bouger, prisonnier. Suis plus moi, qui est moi, à l'aide, pitié, à l'aide, mayday, mayday, viande, viande, viande. Alors, je te jure, je vais pas te servir de Big Mac, hein, mec. Hein. Bon, alors, comme d'hab, les monstres s'en battent complètement la race de Parker. Ça fait toujours plaisir. Hein. Oh, putain de merde. Ça me gonfle, ça. Ouais, mon Parker, ça me fait toujours rire comment les monstres s'en battent les couilles de lui. C'est-à-dire il n'y a aucun qui vient le voir, hein. Non, pourquoi donc, hein. Pourquoi donc, il irait le voir. Bon, les autres, là, ils me font chier un peu. Bon, allez où notre pote le tronçonneur. Alors, attends, voilà, vas-y. Non ! Dégage toi! Moi je m'en fous, je fuis. Et ils m'ont fait peur toi! Putain, mais le monstre qui sortait presque de nulle part là. Soigner un petit coup. Ah, il est là le PD. Salut PD! Bonjour. Et Michel, regarde cette petite surprise. Bam. Dégage. Non mais dégagez-vous. Mais non, jeu de merde. Juste parce qu'il y a des ennemis de merde qui sont foutus sur le chemin de merde. Bon, voilà. Alors, Parker, il a fait une petite remarque, vous avez raté.
hein, où il disait que, il disait, oh, il est coriace le monstre et tout, et puis ses potes commencent à me casser les noises. J'avais raté ça, c'est dommage, mais j'avais pas envie de relancer juste pour ça, parce qu'après il aurait fallu recouper. Mais voilà, et au final là j'ai réussi à la voir. Ça m'a gonflé, hein. Je tiens à vous avouer, la putain de clé bouée. Alors, honnêtement là ça m'a gonflé, hein. Je savais que c'était chiant, mais je me rappelais plus que c'était autant chiant avec les ennemis qui viennent illimités, tu vois, ce genre de truc. Parker qui sert à rien. Alors, moi je me plaignais du système d'alliés dans Resident Evil 5 avec Sheva et tout. Je dois avouer que celui-là il est quand même pire. Parce que c'est vraiment comme si l'allié n'existait pas. Ça veut dire à aucun moment, Parker il est resté tout le long ici, les ennemis lui passaient à côté. Alors des fois il le poussait, mais genre c'était pas fait exprès. Non mais vraiment, Parker il n'existe pas, hein. Il y avait que pour ma gueule. Ce qui est quelque chose qui me gonflait assez rapidement, hein, quand même. Je dois l'avouer. Oh putain, mais crevé, putain, j'en ai marre des morts. Allez, vas-y. Oh, ah, j'ai pas analysé l'autre, le gros, mais tant pis. Putain. Ah, bon, j'en ai ma claque. Hein. Ce combat m'a déjà saoulé. Mais de souvenir, c'est pas le pire. Hein. Le boss final, il est pire au niveau chiantise. Hein. Bon, en tout cas on a la clé bouée, ça c'est fait, on va aller l'utiliser. Alors la clé bouée. Alors ici déjà on peut. Voilà, c'est nickel. Je vais juste ramasser plein de munitions parce qu'il me reste encore des munitions de pistolet à ramasser. J'ai dépensé, j'ai tellement tout dépensé là. Ah, j'ai éjaculé, mais alors de façon directe. Ouais, mais là ça m'a saoulé. Attends, y a une porte fermée là ? Ah oui, il y a une porte fermée. Voilà, comme ça on retourne ici, techniquement. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser, c'est par la gauche, je pense. Hein. Je sais pas. On va voir. Désolé, mais là, c'est vraiment ce combat m'a saoulé. Ah, il était chiant. Ça marche pas, ça doit être verrouillé. Ah. On va aller rouvrir, ça va être encore ce fameux système, je pense. Hein. Ah oui. Hein. Là, honnêtement, je trouve que c'est peut-être le pire système d'alliés jamais vu dans les Resident Evil. Hein. Ah oui, parce que t'as tellement l'impression que les alliés servent à rien, ils sont là juste pour faire du figurant, que c'est fou, hein, je trouve. Bonjour. Ça me mène où, là? Pont. Ah, je pense que ça mène à l'autre endroit où c'était verrouillé aussi. Mais on peut aller aussi à la proue. On va voir ce que ça va nous donner. C'est bizarre tout ça parce que putain c'est pas du tout là où il faut qu'on aille. Ouais ça mène à l'autre endroit, je vois. Au moins on a un petit raccourci. Et la proue. Where is la proue? La proue c'est en bas, ok. Eh ça saccadait pas quand on était avec les deux autres cons. Ah dans le flashback. Ce qui me fait chier aussi c'est ma cam. Qui me fait n'importe quoi, elle se recadre tout seul. Je pense qu'il y a une option, mais j'arrive pas à trouver laquelle. Ça me saoule un peu. Hein. Alors là, faut la carte. D'accord, mais au moins on peut déjà fouiller ici, c'est déjà cool. Bonjour. Alors, oh, bah les pattes, inspecteur gadget. Youhou. Bon, tu me saoules. Mais bon, c'est assez près. Première victime, qu'est-ce que c'est? Scanner une empreinte de main cachée. Ok. Bon, on va partager ça. Ouais. Putain, j'avais oublié cette merde, hein, des empreintes de main cachées, quoi. Ah, ce tronçonneur. En plus, je crois qu'il y en aura plusieurs, mais je crois que les autres, ils seront pas aussi résistants, j'espère.
hein, les Skyjed, normalement c'est comme ça que je sais pas si je prononce bien, Skyhead, voilà. Qui sont les tronçonneurs de cet opus, hein, parce que depuis Resident Evil 4, on sait que les tronçonneurs ça marche très bien, hein, les fameux tronçonneurs qui étaient one shot, fallait en refaire. Voilà. Bon, je l'examine, c'est juste pour pouvoir le marquer sur la carte. Ben, au moins, on a fouillé cet endroit. Ça n'a servi à rien pour le moment, mais voilà. Moi, c'est fait. Ah, mais vraiment, ça a servi à rien. C'est, on pouvait la fouiller plus tard. Mais je crois que j'ai fouillé en fait plus tard. Dans le Gorilla, j'étais direct allé vers le truc. Et c'est pour ça, j'étais tout seul. Il n'y avait pas Parker. Bon, après, c'est pas une justification pour l'IA, hein, parce que en temps normal, Parker, les ennemis l'ignorent. Hein, ça, je l'avais déjà montré dans une vidéo. Mais là, c'était beaucoup plus flag là. Hein. Et il m'aidait pas vraiment beaucoup aussi, hein, niveau puissance de feu. C'est vraiment par cœur, tu sers à rien. Je pense que le titre de la vidéo a un rapport avec ça. Hein. Désolé mon bon vieux par cœur, mais là vraiment, tu es le maillon faible. Au revoir. Il y a une trappe qui s'ouvre sous ses pieds et il tombe et il meurt. Et mort. On n'avait pas ramassé un truc. Cadence de tir de... Ouais, exactement, on a ramassé. Cadence de tir à 30%, c'est mieux. Là. Et toi, je vais augmenter ta cadence de tir aussi. Fusil sniper, il m'a... C'est des galères de tirer avec. Parce que je pouvais... Il n'y avait aucun coin où je pouvais me poser tranquille. Hein. Il y avait des ennemis de partout. Et aller viser super précis avec ce putain de... Ah, en bougeant de partout, c'était... Non, c'est chiant. Bon, on va peut-être pouvoir aller à l'endroit où on est censé y aller depuis la précédente vidéo, mais là, ça fait déjà plus de 20 minutes, hein. Putain de merde. Eh ouais. Eh, au moins, on est en avance sur les programmes. Et comme ça, et au pire, je pourrais, comme ça, faire des coupures et enchaîner direct, hein. Si je dois tout retraverser pour aller à la proue. On a pas besoin de vous remontrer le combat et tout. Si ça, c'est pas beau. Ça va par cœur. Ce hall, il est quand même trop classe. Hein. Là, vous le voyez, il est quand même putain de classe, hein, ce hall. Je trouve que c'est l'un des halls les plus classes. Hein. Comparé à Dead M, par exemple, c'est une bonne blague. Il y a une encre. Sérieux. Et elle est censée être où, cette clé encre? Parce qu'on l'a pas trouvé, hein. Ah, mais je pense qu'il faut aller derrière, là. Non, non, c'est ici qu'il faut aller. Note laissée dans la salle de transmission de l'urgence aussi à cette fonction. Personne ne peut aller sur ma version et sur la clé, vous le trouvez sur le point pour que... Ah, il faut la clé bouée, c'est pour ça, voilà. C'est la merde, ouais, le bateau couille de monstre est de cinglé, je vais aller sur la promenade, au moins je trouverai un truc pour m'enlever. S'il y a des serveurs qui me rejoignent, vous savez où me trouver, j'ai pas attention, mais... Ouais, ok. Ça marche. Bon, au final, si c'était obligatoire. Hormis la proue. Ça, j'étais pas obligé d'y aller maintenant, mais voilà. Pour moi, c'était fait. Ah, cinématique, on augmente le son. Voilà, c'est parti, ça va être la petite cinématique. Comment t'as fait pour venir ici? C'était verrouillé avec une grille. Avoue que c'est toi qui l'as fait. On parle de sperme là. Et là il retire son masque, on le voit vraiment chialer. Là moi je suis comme le mec, là je vois mon truc tranquille. Alors papy, ça va? Ah, je préfère le Véronica, ça avait un nom qui sonnait plus classe, hein, parce que Abyss, à part un film avec un gros monstre et tout, voilà quoi. J'ai déjà vu ça chez ma sœur.
Que autrefois c'était un immense. Ta gueule, je mate le film. Je suis mal rasé. I knew it. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. Send a team to Valcoyne Lock Airport for something linked to this ship, O'Brien. Yes, I read you. I'll send Quint and Keith. What? You two, get ready to move. I hate snow. Snow hates you. Let's find out anything you can on Veltro. Putain, comme si Parker suffisait pas en tant que blaireau, il en faut deux autres, vas-y. Le trio de blaireaux. I don't see a thing. I thought the Mediterranean was just like a big lake. Le quoi tu as de blaireau. Je réitère. No kidding. But that still doesn't solve our problem. Hey, are you even listening? Non, parle bien à ma main. Putain, mais lui, son obsession avec Gilles, c'était déjà le cas dans Resident Evil 5. Mais putain, mariez-vous, merde, putain. Putain, le quatuor de Bléo, tu m'étonnes. Je me demande comment ils ont fait pour pas se suicider, hein, Gilles et Chris. Hein. Putain, entre ça et Papy, qui fait n'importe quoi aussi, mais vas-y. Le fantôme de Veltro, hein. N'empêche, dû à pas mal de défauts, je trouve. Ah, et puis, ah, ça, c'est pas mal. Dû à pas mal de défauts, je trouve, des fois dans le gameplay, dans celui-là, ça sentait moins sur 3DS, parce que 3DS, t'avais le côté 3DS, que ça allait. Mais là, sur console, il y a beaucoup de défauts de gameplay, je trouve. Hein. Maintenant, en considération, et ça en fait un jeu un peu chaud, quand même. Hein. Chaud patate. Bon, voilà, merci. Le PC356, ouais, c'est un SIG, celui-là. Hein. Sauveur. Ok, on a des stages du mode commando de débloquer. C'est con qu'on puisse pas le faire en coop parce que sinon ça m'intéresse pas de le faire. Hein. Enfin, je veux dire en coop local. Hein. Ouais, et multi-console aussi ça coûte pas. C'est dommage hein, que ce soit seulement multi. Bam, boum, bam, boum, bam, bam, boum, boum. Bon, bah nous on va continuer en tout cas. C'est parti, mon kiki. Oh putain, previewsment dans les épisodes. Resident Evil Revelations. Aïe! J'aime bien ce bien. Hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you've thought of everything. But even the FPC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Avec la main sacrée du juge Claude Frollo. Looks like we both were too late. Both of you. Look. T'as pas du tout la tête d'un mec où il faut se méfier. Abandon hope. He's quoting Dante. We'll find you, Joe. Ouais, comme pour Révélation 2, hein. Les Révélations, il y a toujours un auteur qui est le centre des citations, des références dedans. Là, c'est Dante. Voilà. Vivement qu'on est Tolkien. Le truc, what? Tu sais, ce... ou l'autre, il y avait... Ah putain, comment il s'appelle l'autre? Celui qui a fait les trucs horrifiques aussi. Non, pas Stephen King, l'autre. Like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grecia and vengeance. Ouais. Mais quand même, je... Ah, t'avais le double exemplaire de la clé, toi? Jim, look at this. Who
crippled ships out of power. The ship's running on emergency power, but the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online. That won't be easy. Ouais. Moi, ce que je trouve bizarre avec notre cher Raymond, c'est qu'en plus, le seul qui est censé avoir la clé, on vient de le buter pour la récupérer, on en a chié. Comment il l'a fait pour l'avoir, la clé, pour venir ici et pour ensuite tout refermer? C'est débile. Avec la secret de la team, tous les membres, aucune des nouvelles équipements de groupe électrogène indépendant. Si le groupe d'électrogène principal tombe en panne, le groupe de secours se lance, ok. Et bon, train de nuit en courant, c'est vrai, cloison, vertical, horizontal, en cas d'urgence, les cloisons étant contrôlées, restant opérationnel. Ça marche, ça a été détruit. Bon, allez, on y va. Ça va, tu m'accompagnes, Parker? Putain, c'est pour ça que j'avais oublié la présence de Parker dans le jeu, hein, sa bonne présence. C'est parce qu'il sert à rien, putain, c'est cool. Hein. Le partenaire sert à rien. Hein. Je pense que... Le mode campagne, on peut le faire en coop ou plus? Non, je sais plus, je crois, oui. Ah, bon. Raymond. Take it. You might need it. Like you said, turning on the power won't be easy. T'as clé encre? Ouais. Encre en fer. That key will get you through the casino on the first floor. Then you'll find a lift to take you to the bilge. But tell me something first. You didn't see any other FBC members here, did you? I can't reach my partner, Rachel. Damn it. Elle est morte. I haven't heard from her since she went to the bilge. I told you, the casino entrance is on the first floor hall. Ok, mon cher Raymond. Pas mal qu'il soit là. D'avoir un petit personnage avec qui discuter, ça change. Non, mais... Should we look for this Rachel woman? We can, but after we bring back the ship's power. À aucun moment tu te dis que ça pourrait être... Non mais ce qui me fait rire c'est... Jill est un peu conne, j'ai envie de dire. Voilà, je trouve. Ouais. Parce qu'à aucun moment elle se dit que ça pourrait pas être un peu la meuf que... inconnue, même si c'est vrai qu'elle a pas vraiment la tenue des mecs du FBC, mais l'autre meuf là aux longs cheveux qui lui cachait le visage, qui est morte. Un truc, à aucun moment elle se dit ça, hein. Que par hasard, c'est la seule autre personne qu'on a croisée de vivant avant qu'elle meure, voilà, elle avait pas l'air de faire partie de l'équipage du vaisseau. Voilà, c'est... Comment... au pire, si t'es pas sûr, tu lui fais la description physique de la personne et après, il te confirmera vraiment si c'est elle ou pas. T'es un peu débile, Jill. Ouais. Putain. Bon, on va rester à un quatuor, hein, parce que sinon, on va inclure tous les personnages, là, à niveau de Béro, là. Ah, mon blaireau préféré, là, hein, italien, là. Mon petit blaireau italien. Le courant est coupé. Ah, on peut pas buter les petits pouces. Quoi? On peut toujours essayer. Merde, enfin, dis donc. Mon cher René. Il y a un truc là-bas, mais on peut pas visiblement le récupérer parce qu'on est trop con, trop conne. Et honnêtement, on pourrait foutre les pieds dans le bassin. Je pense pas que ça soit des poissons électriques et qu'ils soient en jardin. Mais au pire, Parker, il a qu'à nous soulever. Hein? Je dis ça! Je dis rien! Pour établir le courant. Il va falloir mettre un jeton ici. Hop, on allume. Et il classe ce casino. Hein. Le courant est déjà activé et il va falloir mettre des jetons. C'est une luxury ship. They have things like casinos. Ah, comme pour dans Dead M. Hein. Appuyez sur le bouton. Holy shit! Shit, it's been infected. Watch out! C'était très intelligent ce qu'on a fait. I saw these in the video. Ouais, je vais utiliser ça, le couteau parce que moi je suis badass. En plein vol!
Bravo, Parker. T'as enfin réussi à tuer un mob. Ah non, même pas. Non, vraiment, tu sers à rien. Même un putain de poisson, t'y arrives même pas. Et ton pompe, tu sais que... Pourquoi tu te sers jamais de ce pompe-là, là, qui sort de nulle part? Ouais, t'as déjà vu ça quelque part. Peut-être dans des livres de Dante, je sais pas, c'est chelou. Inutile d'appuyer à nouveau là-dessus. Bon. Et d'où tu le sors, ce pompe, et aussi pourquoi tu t'en sers pas? Espèce d'idiot. J'ai envie de dire. Ah, et tu balles de pistolet, on peut encore plus en transporter, c'est cool! Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit prochainement pour d'autres aventures. Bye bye, les connards!